Taux de change, l'euro reprend sa tendance haussière. Le marché noir des devises en Algérie est en folie. En effet, ce marché devient cyclique, sans aucune possibilité de prévoir sa tendance. Après quelques jours d'effervescence, le marché s'est stabilisé, les devises ont reculé. Au début de cette semaine, il a repris sa tendance haussière. Encore une fois, le marché noir démontre son irrationalité et les difficultés de prévoir son évolution. Ce lundi 3 avril, au marché noir du Square Port Saïd à Alger, l'euro s'échange à 223 dinars à l'achat et 225 dinars à la vente, tandis que le dollar américain s'échange à 208 dinars à l'achat et 210 dinars à la vente. Ces deux devises ont connu une relative hausse par rapport à la semaine précédente. À Tizi Ouzou, le taux de change est légèrement inférieur. La livre sterling s'échange à 248 dinars à l'achat et 250 dinars à la vente, tandis que le dollar canadien s'échange à 149 dinars à l'achat et 151 dinars à la vente. Ainsi, ce marché flambe de nouveau. Il a repris sa tendance, qui a fait suite à l'annonce des autorisations d'importation de véhicules de moins de 3 ans. Les taux de change ont donc repris leur tendance haussière.